Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir avec vous, Claude Sarraute, Gérard Miller, Stevie Boulet, Isabelle Motreau, Stéphane Popra et Elsa Fayet. Vous êtes enrhumé, Gérard? Alors, vous êtes enrhumé, Gérard. Je termine un rhume depuis à peu près 3 semaines. Ce qui est une longue fin de rhume. Soigne-toi. Je me soigne. Après la grippe du poulet, la grippe du coco. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Monsieur Mittal et de son fils, qui, vous savez, dirige le numéro 1 de l'acier mondial. Plus personne n'ignore ça depuis 2-3 jours maintenant. On ne parle que d'eux. Ils veulent racheter, vous le savez, Arcelor, notre acier européen. Et ce qui est inquiétant, c'est quand on voit cette photo, on voit quand même qu'ils sont jeunes, dynamiques, le père et le fils. Cette famille Mittal, ça fout la trouille, surtout quand on regarde la photo des Français qui dirigent Arcelor. On comprend pourquoi il va falloir commencer à s'inquiéter en France, vous voyez. On a beau dire, pour vendre de l'acier, la famille Mittal, c'est nickel comme nom. Gérard. Écoutez, moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que je trouve qu'on a tellement nous-mêmes bouffé ces pays-là qu'actuellement, qu'ils aient un peu les dents longues, ça me semble tout à fait normal. Et la question, simplement, c'est de savoir la concurrence juste. Faites bien d'expliquer à Stevie et à Elsa, parce qu'il faut quand même préciser que les Indiens qui veulent racheter notre acier sont des Indiens du pays de l'Inde. Hein, c'est pas des Indiens... d'Amérique. Je vous précise, Elsa, parce que ce matin, j'ai entendu Elsa dire à Stevie... Tu parles, ils sont malins les Indiens, ils profitent que les cow-boys s'enfilent dans Brokeback Mountain et pendant ce temps-là, ils nous piquent notre acier. Merci Laurent, vous avez vraiment l'oreille. Une autre photo maintenant, celle du ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui est arrivé hier à La Réunion pour assister à une opération de démoustication pour lutter, vous le savez, contre le fameux virus chikungunya, c'est son nom. La fameuse grippe du moustique, à ne pas confondre avec la chikungunya, la grippe du poulet, hein, ça n'a rien à voir. Évidemment, les réservations touristiques sont en baisse sur l'île de La Réunion, évidemment. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible, évidemment, pour les Réunionnais. Un concert de soutien à nos amis réunionnais d'ores et déjà prévu. Mais hélas, la seule artiste métropolitaine qui a accepté de venir chanter sur l'île, c'est regarder la chanteuse Sappho, parce qu'elle est compatible avec... N'importe quoi, elle a déjà la moustiquaire intégrée, quoi. Les places pour le concert sont à retirer chez Intermarché, les moustiquaires de la distribution. Moi, j'ai lu aussi qu'on était intervenu un peu tard. C'est-à-dire que manifestement, il y avait quand même des mesures à prendre un petit peu plus tôt. Ça fait partie de la France et à chaque fois, on se surprend que ces régions-là ne sont pas exactement comme les nôtres. Et d'ailleurs, vous avez vu cette photo, évidemment, Stéphane Pocra, vous savez ce que c'est? Oui, c'est Jacques Chirac embrassant la main de Christiane Taubira à l'occasion de la décision par le président de la République d'instaurer le 10 mai. Comme date de célébration de l'esclavage et de la traite négrière. Exactement. Le président a choisi le 10 mai. Je crois qu'aussi il a choisi le 10 mai pour emmerder Giscard. Parce que c'est quand même le 10 mai 81 que Giscard a abandonné ses esclaves à l'Élysée. Hein, faut quand même rappeler. C'est vrai. Gérard, faut bien dire que Chirac est particulièrement bon sur ces sujets-là. Et c'est un vrai hommage. Il a été formidable sur... la question de Vichy, la question juive en France, il est formidable aussi sur ce sujet-là. C'est un fait, il faut le reconnaître. C'est con qu'il ait choisi le 10 mai. Il aurait dû choisir le lundi de Pentecôte. Au moins, comme ça, ça nous donnait une occasion de le récupérer, franchement. Vous pensez que c'est une bonne date? Oui, c'est une belle date. C'est le jour où le Sénat a voté en dernière lecture la loi reconnaissant l'esclavage contre l'humanité. Moi, je faisais partie de ceux qui se battaient pour que ce soit le 23 mai, parce que le 23 mai 98, il y avait plus de 40 000 personnes qui s'étaient mobilisées en France pour qu'on obtienne cette date. Mais quand on gagne. Et je pense que c'est une victoire pas seulement pour les Noirs, les Antillais et les Africains, c'est une victoire pour tout le monde dans ce pays. Oui, Claude. Oh, pardon, je vais te dire une bêtise, mais est-ce qu'on ne devrait pas dire là, merci, comment s'appelle ce garçon noir là, que tout le monde déteste, Dieu moi donné. Aussi d'ailleurs, Dieudonné. Tu voudrais dire merci à Dieudonné? Ben, écoute, quand même, c'est lui qui a commencé à mettre les pieds dans le plat, à hurler et à parler de l'esclavage. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette il y a blague. Déjà des mois. Enfin, non, mais c'est plutôt l'inverse en réalité. C'est qu'il y avait de nombreux militants qui se sont battus depuis plus de 20 ans dans ce pays pour qu'on parle de la mémoire de l'esclavage. Et par contre, on peut s'interroger sur une société. Est-ce que ce n'est pas une société malade qu'il ait fallu attendre que Dieudonné ait les débordements qu'il a eus pour qu'enfin les médias en parlent? Mais ce n'est pas la même question. Très bien. Tu es un amour de garçon. À deux, ça passe mieux.
Une autre photo qui illustre ce matin dans la presse le veto polonais au maintien de la TVA à 5,5 sur les travaux dans le bâtiment. Il n'y avait pas assez du plombier polonais, maintenant il y a le veto polonais qui veut nous achever. Et ça c'est très inquiétant, on a toujours dit quand le bâtiment va, tout va, vous connaissez l'expression. Et quand le bâtiment TVA mal, tout va mal. Après l'Allemagne pour la restauration, l'Inde pour l'acier, maintenant c'est la Pologne pour le bâtiment. Finalement ça m'étonne qu'à moitié, parce que déjà quand j'étais gosse, à Jeux sans frontières, c'était toujours la France qui perdait. Gérard. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je suis allé, par chance, en Espagne ce week-end pendant quelques jours. Au restaurant, la TVA qui est marquée en Espagne, c'est 7%. Donc, il n'y a pas du tout d'unification en cours actuellement sur ces questions-là. Pourquoi est-ce que c'est nous qui en subissons les conséquences? Vous étiez chez un escroc ou chez un... Ils sont vus arriver, ils se sont dit « Ah, c'est Gérard Miller !» Non, mais je vous assure que c'était la TVA à 7% dans les restaurants espagnols. Je crois plutôt que Gérard Miller ne sait pas lire l'espagnol. Allez, on termine avec le contrat première embauche examiné depuis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une manif anti-contrat première embauche, anti-CPE, est déjà prévue. Ce sera le 7 février prochain. Donc, deux dates à retenir en février. Le 14 février, la Saint-Valentin. Le 7 février, la Saint-Villepin. Tu dis un mot? Moi, j'ai vu la conférence de presse de Dominique de Villepin la semaine dernière, où il a abordé à peu près enfin, le CPE. Et il y a des choses bien, mais il y a aussi des choses pas bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a reçu l'étudiant, enfin le représentant des étudiants là. Qu'on voit beaucoup d'ailleurs. Et qu'on voit beaucoup. Et ça, ce qui serait hyper intéressant, ça serait de le mettre face à Dominique de Villepin. Parce que visiblement, il y a le discours de la rue, il y a le discours du gouvernement. Et il n'y a pas de dialogue en fait. Écoute, et ça serait bien qu'il se. Je te fais une proposition. C'est la seule fois où je te ferai une proposition dans ma vie, en public. Je te propose que nous allions ensemble à la manifestation du 7 février. Ah, j'aime pas les... j'aime pas la foule en général. Je peux le dire à la télévision. J'ai fait qu'une manifestation. Ok, d'accord, mais tu vas à la Gay Pride. Oui, je veux bien, sans problème, sans problème. Isabelle Motreau, il est temps de parler cinéma. Vous allez nous montrer les affiches des films qui sortent mercredi. Hop. Premier film qui réunit quand même un joli duo, Richard Gere et Juliette Binoche, Les mots retrouvés. Pocrin. Les mots me manquent. C'est une affiche déjà vue, mais j'aime beaucoup le titre. Je trouve que c'est un très beau titre. Gérard. Alors, c'est un joli titre sans doute, mais l'affiche est même mauvaise. C'est-à-dire qu'elle n'inspire rien. Oui, je vais me réinscrire. Cette affiche est minable. Alors Isabelle, ça vaut quoi? Ben, ça vaut en tout cas pas le prix que vous allez investir dans le billet d'entrée, parce que on a pris une belle affiche, hein, Gire Binoche, on se dit voilà, c'est un beau couple. On a pris un scénario qui parle de la foi, de la communication, du pouvoir du langage, et puis en fait on a mélangé tout ça et on obtient une espèce de truc où vous avez Juliette Binoche qui fond dans une espèce de pot-au-feu de scénario dont on ne se sort pas, pendant que Richard Gire se concentre pour être très 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 beau, pour faire oublier que le film est très 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 con. Mais on n'oublie pas, quand même. Faux amis, alors. Affiche suivante. Un jour sans fin et Mafia Blues sont les deux autres films qu'avait réalisé le réalisateur de ce film, dont je n'ai pas le nom, moi. Alors, je cherche sur l'affiche. Harold Ramis. Et alors? J'adore cette affiche. Elle me rappelle absolument les films noirs des années 50 que j'adorais, donc pourvu que ça soit aussi bien que ça allait. Où est-ce que vous voyez le nom du réalisateur sur l'affiche? Mais parce qu'on sait quand c'est marqué Un jour sans fin, Mafia Blues. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on fait une affiche par le réalisateur de Un jour sans fin et Mafia Blues et on marque pas son nom. Ça s'appelle la culture, Laurent Ruquier. Quand même, c'est le type qui s'est fait chier à réaliser le film, il a même pas son nom sur l'affiche. Mais c'est comme ici, Laurent. C'est comme ici, Laurent. Les gens regardent pas l'émission pour vous, mais pour nous. Isabelle. Ah, c'est formidable. C'est le film de la semaine, il faut absolument aller le voir. En effet, c'est une caricature de film des années 40. Ça raconte l'histoire de ces deux garçons qui sont de faux amis, c'est-à-dire qu'ils ont détourné de l'argent du ponte de la mafia locale. Et en plus, les deux sont tout le temps en train d'essayer de garder l'argent chacun pour soi, quoi. Et au milieu, il y a la femme fatale qui est un petit peu l'amie de l'un, mais peut-être l'amie de l'autre aussi. C'est un petit bijou très noir et très violent, mais très drôle. On passe des faux amis aux amis pour la vie, avec un film dont vous ne vous attendiez pas à ce qu'il sorte cette semaine, Les Bronzés 3. Ah ouais. J'en ai pas entendu parler. C'est un petit film. Un film de Patrice Lecomte, mais évidemment, quel plaisir de retrouver cette bande des Bronzés. Elsa Fayer. Rien que de voir la typo Les Bronzés, déjà, j'ai envie d'y aller, parce que j'aime trop. Mais j'ai peur d'être déçue, en même temps, je sais pas.
Moi, je suis un peu moins kitsch que Kenza, j'allais dire, que Elsa. Et je sais pas, je trouve qu'on a tellement vu d'extraits à la télévision qu'on a vu pratiquement le film. Ah non, c'est pas non, vrai. Non, j'ai pas non, vu d'extraits. Ah bah. Mais alors, qu'est-ce que vaut le film? Moi, je l'ai vu, alors attention à ce que vous allez dire. Alors, on y va absolument parce qu'on est tellement contents de les revoir. Et puis, en fait, moi, j'ai été un peu déçue. J'ai trouvé que ça se mettait longtemps à se mettre en place. Et en même temps, il y a vraiment là aussi des situations. Il n'y a qu'eux qui peuvent jouer ça. Il y a des dialogues formidables. C'est ça, moi, pardon de vous interrompre, mais fond, c'est... moi qui ai vu le film, au contraire, je m'attendais, évidemment, j'avais peur, moi aussi. Ouais. Et j'ai été épatée par l'écriture. C'est-à-dire que je me suis dit, vraiment, ils ne sont pas fichés. Chez nous, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'écriture, des vrais gags, des vraies nouvelles situations. Ah oui, les Bronzés 3, je crois, autant ri qu'aux deux précédents, en ce qui me concerne. Alors moi, cas. J'ai un peu moins ri qu'aux deux précédents. Honnêtement, je trouve que quand même le début est un peu long. Lequel des trois vous retenez, Isabelle Motreau? Ah bah, de toute façon, les Bronzés, je pense que c'est incontournable, mais surtout Faux Amis, parce que là, pour le coup, c'est tout à fait inattendu. Allez, deux tickets de cinéma pour la semaine. Alors, les Bronzés 3 et Faux Amis, les Faux Amis et les Amis pour la vie. Merci, ouais. Isabelle Motreau. Demain sortira en librairie J'ai été jeune un jour, c'est aux éditions Fayard, l'autobiographie de la cinéaste et écrivain Nadine Trintignant, l'ex-épouse de Jean-Louis Trintignant et mère de Marie. Dans son ouvrage, Nadine Trintignant nous retrace son parcours, son entrée au laboratoire de tirage cinématographique alors qu'elle n'a alors que 15 ans, c'est pour les films de la Nouvelle Vague pour lesquels elle travaille au départ. D'ailleurs, je crois même qu'elle commence par un film de Sacha Guitry. Elle est chef monteuse. Puis, plus tard, elle deviendra, vous le savez, réalisatrice, scénariste pour de nombreux films et téléfilms. C'est le début de son parcours qu'elle nous raconte dans ce livre, J'ai été jeune un jour. Voici Nadine Trintignant. Bonjour. Merci. Je dis bien, c'est le début de votre parcours parce qu'on a l'impression que ce livre en appelle d'autres. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire plusieurs tomes de votre histoire, votre vie. Non, je n'y ai pas pensé, pour vous dire la vérité. Je pensais simplement à me tremper dans une époque ancienne d'insouciance. Isabelle. Alors moi j'ai d'abord été très touchée de voir avec quelle ardeur vous avez essayé à 15 ans de sortir de votre famille pour conquérir une certaine indépendance. Ce qui est particulièrement touchant, c'est que votre famille justement elle est formidable. Oui, et, c'est vrai. Et alors finalement cette petite fille qui a la chance de vivre avec des parents originaux, surprenants, votre père, vous savez même pas très bien ce qu'il fait, tout ça. Enfin c'est un univers comme ça un peu mystérieux et en même temps très chaleureux. Et vous voulez absolument sortir de là, être indépendante, gagner votre vie, c'est le beau grand mot, gagner ma vie. Oui, c'était mon obsession. Et ça, vous savez, c'était mon obsession parce que j'entendais les amis de ma mère, celles qui n'étaient pas heureuses, il y en avait des plaintes qui étaient heureuses, hein, mais celles qui n'étaient pas heureuses parlaient de leur mariage d'une façon triste, enfin, il y avait un côté, c'est comme ça, faut y passer, enfin, c'était vraiment pas lumineux. Et je leur disais, mais pourquoi vous partez pas? Et elles avaient toutes la même réponse, pour aller où? Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je croyais fort en l'amour et d'avoir un amour éternel. J'étais très branchée là-dessus. Mais j'ai pensé, il faut que j'ai un métier que j'adore et que je gagne ma vie, que je sois libre. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que vous voulez, comme ça, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'indépendance, on le sent tout de suite, malgré donc un foyer chaleureux et tout ça. Et en même temps, malgré tous vos centres d'intérêt qu'on sent énormément nombreux surtout, il y a quand même toujours l'amour qui revient, l'amour pour les autres, l'amour parce que vous rêvez d'un prince charmant quand vous avez 15 ans, l'amour de votre prochain, on peut dire. Et je trouve que ça, c'est fondateur de votre jeunesse, oui, en tout cas. Mais, et c'est ça qui m'a le plus touchée aussi. C'est vous faites plaisir parce que j'aime mon prochain. Et parce que je pense que l'amour est la chose la plus importante de la vie. C'est l'amour qui peut arranger les choses. C'est l'amour qui peut faire que les choses deviennent plus sereines, plus... on souffre de manque d'amour. L'amour est essentiel dans la vie d'une femme et d'un homme, c'est pareil. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme vous se protège suffisamment? Parce qu'on se dit, oh là là, la pauvre, et on connaît votre vie, donc on sait qu'il y a eu des revers à cette ouverture et cette passion pour l'autre. J'ai l'impression que vous aimez tellement les autres que finalement, effectivement, vous ne vous protégez pas assez.
Moi, je me protège pas assez. Oh, je crois que je me protège. Vous savez, on ne se rend jamais bien compte, mais je pense que je ne suis pas si généreuse que vous avez l'air de le penser, peut-être. Je n'en sais rien. Je vous dis la vérité, je n'en sais rien. Gérard Miller, qui a été jeune un jour aussi. Il est toujours... Je me suis demandé pourquoi vous aviez écrit ce livre et choisi ce titre aujourd'hui, notamment après la mort de votre fille. Et je crois, en vous ayant lu, l'avoir compris. Vous dites une chose bouleversante. Vous dites, dans la vie, lorsqu'on est jeune, on a des souffrances terribles. On perd sa poupée quand on est petite fille. On a un copain qui ne vous aime pas et qui ne vous regarde plus dans la rue. Et on croit qu'on a connu le pire. Et puis un jour, on connaît le pire. Et j'ai vraiment le sentiment que ce livre sur votre jeunesse est aussi un livre sur ce qui est définitivement perdu. Et vous le dites à propos de votre fille, elle ne sera plus jamais là, comme votre jeunesse ne sera plus jamais là. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à la fois vous parlez de vous dans votre livre et en même temps vous ne cessez pas de parler d'elle. Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est le psy qui parle aussi. Oui, mais il y a un rapport direct. Là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a un rapport direct. C'est qu'à un moment donné de ma vie, où j'ai eu peur de ne pas m'en sortir du tout, malgré que j'ai un mari merveilleux, un fils merveilleux, des petits-enfants, enfin beaucoup d'amour autour de moi, je ne vais pas être une ingrate. Hein. J'ai eu peur de ne pas me retrouver, d'être un puzzle éclaté qui n'arriverait pas à se rassembler. Et j'ai cherché, je me suis dit l'écriture, bon l'écriture en état de chagrin, généralement c'est pour tenter de mettre de l'ordre dans un chaos. Là, ça a été la démarche contraire. Je me suis dit, je veux aller dans une époque où j'étais heureuse malgré le fait que je ne connaissais pas Marie. Et c'est pourquoi j'ai parlé de mes 15 ans. Parce qu'à 15 ans, j'étais vraiment heureuse, et heureuse par moi-même, heureuse par la vie, heureuse par ma famille, par l'insouciance, par mon métier, heureuse par beaucoup de choses très fortes, et par l'amour. Stevie a lu aussi votre livre, J'ai été jeune un jour. Alors c'est votre vie, la jeunesse, les parents cool, etc., les premiers amours, Alinka, jusqu'au chapitre 16, où là, effectivement, vous parlez de tout ce qui s'est passé récemment. Et là, pour quelqu'un comme moi, qui, comme l'a dit tout à l'heure Gérard, on a nos petits chagrins, nos petits machins, mais on ne connaît pas le vrai malheur, on a nos petits problèmes de tous les jours. Et pour nous, on a l'impression que c'est, qu'on ne s'en sortira jamais. Et c'est là, et c'est grâce à des gens comme vous qu'on se dit, mais en fin de compte, on profite. C'est des petits problèmes, c'est quoi qu'est-ce qu'on a comme problème à notre âge? Ouais, des amourettes, des problèmes financiers, des petits trucs, enfin, pas grand-chose. Mais c'est vrai que vous nous ouvrez les yeux, en fin de compte, sur la valeur des choses et sur quoi, sur ce qui est dramatique ou pas. Donc, merci. Oui, oui. Vous savez, c'est parce que la seule chose positive, quand on rencontre un chagrin dont on ne se remet pas, c'est qu'on a une échelle des valeurs. Vous avez raison. Pocrin. Quand j'ai su qu'on allait vous recevoir, c'est assez rare ici que je sois un peu, que j'ai du mal à l'idée de recevoir quelqu'un. Je vais vous dire pourquoi, parce que forcément, il y a un grand malheur qui vous est arrivé. Ce grand malheur, non seulement il a été très médiatisé, dans toutes les familles de France, il y avait des débats, les gens avaient un point de vue, ils ont choisi des camps ou quoi que ce soit. Et donc, on vous reçoit là, et je me dis qu'on a été tellement surexposé, quand votre vie a été tellement surexposée, comment on vit avec le regard des autres, le regard que nous on porte sur vous. Et j'ai même hésité à vous poser la question pour tout vous non, dire. Non, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Les gens, quand ils me voient dans la rue, qui viennent vers moi, pas vers moi, vers la mère de Marie, hein, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur. Et je leur en suis très reconnaissante, parce que pendant ce temps-là, elle est là, on en parle, elle est là. Et la médiatisation, j'en avais vraiment rien à fiche. Vous savez, quand on a un vrai malheur, on n'est pas dans le superflu, on est dans le fond, on est dans le cercle intime. On ne s'en sort pas comme ça. Alors donc, ce qui se passait effectivement, sûrement, vous me dites qu'il y avait des dîners où les gens prenaient parti. J'y avais même pas pensé, mais sûrement, bien sûr, c'est leur droit. Mais c'est pas mon problème. Le mien, c'est Marie, c'est pas autre chose. Elsa Fayer. Oui, je vais être un petit peu moins enthousiaste que mes camarades. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, évidemment, votre biographie. Moi, elle m'a un petit peu agacée, parce que j'ai eu le sentiment que vous étiez
une pauvre petite fille choyée, surprotégée, coucounée, qui, un beau jour, par piston, débarque dans une société de montage, sans véritable envie, sans véritable passion. Ah, j'ai pas senti ça du tout. Vous êtes arrivé là, vous avez fait vos armes, vous avez rencontré des gens hauts en couleur que vous n'aviez pas l'habitude de fréquenter, vous aviez une famille tellement formidable qu'à la limite, on a envie que vous restiez là-bas, tellement c'est merveilleux. Et puis, je parcours votre livre, et puis là, on tombe sur une anecdote, ce jour, ce drame, comme vous le dites, où, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui fait battre votre cœur, que vous avez un petit peu la tête dans les nuages, et vous continuez à travailler malgré tout, vous heurtez une bobine que vous allez casser, et vous parlez de ce drame. Et juste après cela, vous enchaînez en disant « ce drame n'était pas grand-chose », je vais vous paraphraser, mais vulgairement, « compte tenu du drame qui m'attendait, la perte de ma fille ». Et là, au beau milieu du livre, alors qu'on est avec vous, vous avez à peine 20 ans, vous êtes en plein travail, vous heurtez une bobine, on se retrouve parachuté, aujourd'hui, avec votre malheur. Mais pourquoi? Je n'ai vraiment pas compris pourquoi vous l'avez placé ici. Très simplement. Alors, non, j'ai eu une enfance heureuse. Ce n'était pas la pauvre petite fille, soyez. C'était l'heureuse fille d'un père merveilleux, d'une mère formidable, avec des frères. C'est vrai que c'est Christian qui m'a dit « Fais du montage, c'est un joli métier de femme. Voilà. » Pourquoi je mentirais aujourd'hui à dire « De cinéma, j'ai toujours eu dans le sang. » Je n'ai pas toujours eu dans le sang. De cinéma, j'ai appris à l'aimer en travaillant dedans. Et à un moment donné, j'ai voulu devenir metteur en scène et je n'en parlais pas parce qu'il y avait très peu de femmes metteurs en scène à ce moment-là. J'avais peur de me planter et je n'avais donc pas envie d'en parler. Maintenant, Marie qui arrive tout d'un coup, je comprends ce que vous dites, mais je vais vous dire, quand on écrit, il y a des moments merveilleux quand on écrit. Ce sont les moments d'inconscience. Et on n'écrit plus vraiment soi-même. Elle est venue toute seule. Et je n'allais pas lui fermer la porte. Elle est venue... Et je ne lui ai pas accordé une grande place, il y a trois pages dans le livre, mais elle fait partie de moi. Je pense que, où que ce soit, elle reviendra toujours, peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est une merveilleuse partie d'inconscience qui arrive parfois dans l'écriture. Gérard ? Lorsque Bertrand Cantat a tué votre fille, il y a eu un grand débat dans la société sur les violences conjugales, et on s'est aperçu, entre guillemets, que toutes les semaines, des femmes mouraient sous les coups de leurs compagnons. Et il y a dans le monde entier, il y a même, j'allais ajouter, des pays où il n'y a quasiment pas une femme qui n'est pas cognée par Absolument. Son mari. Est-ce que, vous qui militez aujourd'hui contre les violences conjugales, et on le comprend, est-ce que vous avez le sentiment que cette affaire Trintignant, Cantat, telle que la presse en a parlé, a le moins du monde changé quelque chose dans le comportement d'un certain nombre d'hommes vis-à-vis de leurs femmes? Écoutez, alors je vais vous dire, j'ai reçu beaucoup de lettres forcément de femmes qui avaient eu leur mère ou leur fille battue à mort quelquefois. Et elles étaient, comment vous dire, que quelqu'un de connues qui étaient belles, qui réussissaient, qui avaient une vie heureuse avec quatre enfants merveilleux, que ça puisse... C'est bizarre, l'être humain, hein, je crois. Et que ça puisse arriver à quelqu'un d'aussi brillant et sur la scène, sur le devant de la scène, beaucoup plus que moi qui suis en retrait, bizarrement rassuré. C'est-à-dire, faisait... L'autre jour, il y a une femme qui m'a dit « Vous savez, grâce à vous, j'ai pu en parler ». Avant de lire votre livre, je ne pouvais pas en parler. C'est comme le viol, vous savez, à un moment donné, les femmes le vivaient comme une honte, comme si c'était leur faute. Et là, j'ai l'impression quand même que les choses, on en parle enfin davantage. Alors bon, Marie, ce sera une goutte d'eau, j'espère que ce sera important, j'espère que Marie... C'est la première chose que j'ai dite, vous savez, au tribunal à Vilnius. Avant, quand il était encore en garde à vue, hein, avant le procès, j'ai dit, moi, j'ai demandé qu'il soit mis en prison pour qu'il n'y ait pas d'autre mari. C'est-à-dire que je ne pensais plus quand quelque chose est fini et qu'on n'y peut rien, on peut penser aux autres. Et il y en a plein d'autres, des femmes qui se font battre. L'association dans laquelle vous êtes engagée contre les violences conjugales s'appelle Violence Day. Oui, c'est un mouvement qui vient des États-Unis et qui a combattu beaucoup, qui est allé à Juarez. Alors à Juarez, il y a tous les jours des femmes battues à mort et même la police est dans le coup. C'est monstrueux ce qui se passe dans cette partie du Mexique qui est à la frontière de l'Amérique.
Mais enfin, dans le tiers-monde, dans tous les pays, malheureusement, dans tous les pays, dans tous les milieux et dans tous les classes sociales. C'est-à-dire, c'est pas dans les HLM, c'est aussi la femme d'un grand chirurgien, un jour, m'a raconté que son mari la battait. Vous voyez, on ne s'attend pas à entendre ça. Isabelle Alonso, qui fait partie de notre équipe, est ici très régulièrement. Mais mon livre est un livre gay, hein, il n'y a que 3 pages sur Marie. C'est évident, mais il va de soi qu'on avait aussi envie de vous poser ces questions-là. Il y a une autre question que tout le monde meurt d'envie de vous poser, évidemment, parce que tout le monde comprend évidemment non seulement le combat que vous avez envie de mener aujourd'hui et le drame que vous avez vécu et aussi la haine que vous avez pu avoir pour cet homme-là, mais est-ce que, quand même, ce genre de drame-là ne fait pas aussi vaciller quelqu'un sur des valeurs que l'on avait jusqu'alors, comme par exemple le pardon? Est-ce qu'un jour, vous pouvez imaginer pardonner à cet homme-là? Est-ce que des valeurs de gauche, des valeurs de tolérance, qui sont des valeurs que, on le sait, votre famille a toujours mises en avant, est-ce que d'un seul coup, ça a fait vaciller toutes ces valeurs-là? Alors là, c'est à vous que je vais demander de la tolérance. Je ne veux pas répondre à cette question. Mais c'est, évidemment, vous comprenez une question intéressante. Je comprends votre question, mais je ne veux pas y répondre. Bon, parfait, j'accepte votre pardonnez-moi. Décision, mais je vous en prie. Le livre s'appelle « J'ai été jeune, un jour », c'est publié chez Fayard. C'est signé Nadine Trintignant, qu'on remercie d'être venue. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Certains pensaient Doc Gynéco légèrement mou et même un brin paresseux, mais la semaine dernière, Doc Gynéco a sorti non pas un, mais 2 albums. Un album s'appelle Un homme nature, le voici. C'est notamment un titre sur cet album écrit par la chanteuse La Grande Sophie, ça c'est original pour Doc Gynéco, une femme qui écrit une de ses chansons. Puis un autre album, les deux d'ailleurs sont pour le prix d'un, il va nous l'expliquer. L'autre album s'appelle Le Doc enregistre au quartier, comme son nom l'indique, Doc Gynéco a enregistré cet album chez lui dans le 18e arrondissement avec ses amis. En plus de ces 2 disques, sans augmentation du prix des consommations, comme dirait Pierre Bénichou. Un livre. En effet, Doc Gynéco a sorti son autobiographie, Un homme nature, ma vie, ma philosophie, aux éditions du Rocher. Bref, on est inquiet. Doc Gynéco ne va pas bien du tout, il est devenu hyperactif. La preuve, il est sur notre plateau. Là, vous en surprenez plus d'un. Hein. Non seulement vous sortez 2 albums, mais un livre en plus. Eh bien oui, j'ai essayé d'écouter ce que vous m'aviez dit. C'est-à-dire qu'on... Oui, on vous avait dit la dernière fois, réveille-toi. Uh-huh. Wake up. Ok, alors... 2 albums enregistrés dans des conditions très différentes, l'un et l'autre. Lequel vous préférez, vous, des deux? Eh bien... J'ai pas de préférence, je suis hétérosexuel. Moi, je rigole. Alors, puisqu'on en est aux questions cons et aux réponses du même niveau, comme il y a 31 chansons, vous auriez pu faire 31 singles aussi, tant qu'on y est. J'adorerais que ce soit 31 singles. 31 singles, il y a un coup. Non ? Ah bah oui, pourquoi pas. Eh ben voilà, merci, Doc Gynéco. La partie, un extrait de la chanson et du clip. Mon kiff, kicker des beats avec mon beat, clic, trouver le mot magique, ouais j'adore ça quand ça se complique, clac, doc, gynéco, pur impro pour les accros, j'ai du flow, je veux zéro pour les rats qui veulent pétro, de la rime fraîche, putain j'ai chaud, j'anime le show, augmente le son sur l'autoradio, prends des photos, écoute les mots, c'est mon boulot, suis le fil, je veux du style dans la ville. Est-ce que la partie est bonne ce soir? Est-ce que les poupées sont bonnes ce soir? Est-ce que la musique... Alors ça, c'est sur l'album Un homme nature. Vous avez écouté ça, Elsa? Non, vous avez écouté l'autre, vous, plutôt. Ah, j'ai écouté les deux. Moi, j'ai eu la totale. Moi, j'ai eu la grosse artillerie. J'ai eu les 2 albums plus le bouquin. Et alors? J'ai adoré le premier album, mais adoré. Un homme nature? Ah ouais, je trouve que ça groove, c'est vachement bien. J'ai adoré les textes. Vous me faites mourir de rire. J'ai passé 2 jours avec vous, aussi bien avec votre biographie qu'avec vos CD, mais vous me faites hurler de rire. Vous avez un second degré, une nonchalance, et en même temps, vous dites des choses tellement fortes, tellement puissantes, et vous êtes en décalage total avec notre société. Et je crois que c'est pour ça qu'on vous aime bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir des gens un peu en marge. Ça va, sinon? Oui, merci. Ça passe? Parce que vous m'avez l'air un petit peu perturbée. Je vais parler un peu plus lentement. Isabelle.
Ce qui m'a un peu énervée, c'est que j'ai vu dans vos déclarations, vous dites, y a le premier, c'est effectivement plus pour le grand public, et le deuxième, c'est pour les fans de la première heure, ceux de la France d'en bas. J'aimerais savoir comment vous distinguez les gens, parce que c'est un peu déplaisant ce côté. Alors, il y a les bons, il y a les méchants, quoi. Non, c'est mal interprété. J'ai dû dire qu'il y avait peut-être un disque que j'ai dû faire parce qu'il était dans mon contrat. Et j'ai proposé, moi, un autre disque en plus. Donc, il y en a un que vous aimez moins que l'autre, quand même, finalement. Non, il y en a un qui est gratuit. Et donc il aime moins. Je donne la parole au menteur Stéphane Pocra. Ah oui. Moi, j'ai bien aimé. Parce qu'il le dit dans son livre, on en parlera, mais il traite Stéphane Pocra de menteur dans son livre. Ah bon? Comment ça, ah bon? Ne me dites pas que t'avais pris un nègre. Deux nègres. Stéphane. Même si je suis un menteur, je vais essayer d'être sincère sur, sur ces deux albums. L'idée d'être un menteur, c'est l'idée de. C'est d'être aussi un. Pour moi, c'est un baratineur, c'est pas. D'accord, je peux finir ce que je dis sur son disque, on passera aux choses sérieuses après. Pas obligé, après, il vous pète la gueule, mais d'abord, d'abord il vous dit que votre disque est bien, après, il vous pète la gueule, donc, d'accord? Non, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui chez Doc Gynéco, plus que sa musique, la musique qu'il fait, c'est le personnage médiatique qui se construit. Parce que. C'est pour ça que c'est marrant de parler de mensonges, de sincérité et tout. Parce qu'en gros, il vient là, on se marre tous, on se fout tous de sa gueule. Mais à la fin, quand je le regarde, je me demande qui se fout le plus de qui. Ah, lui ! Ah, ça, c'est... C'est lui ! Et ça, j'aime bien. Gérard Miller. J'ai lu votre livre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Doc Gynéco explique qu'il a maintenant une réputation épouvantable, celle d'un dragueur invétéré, qu'avant, pour draguer une fille, ça lui prenait 2-3 jours, j'oserais dire comme à n'importe qui, dans les mêmes circonstances, et que maintenant, il doit ramer beaucoup plus, parce qu'il doit passer 2-3 jours d'abord à démentir tout ce qu'on a dit sur lui, pour 2-3 jours à les convaincre qu'il n'a pas d'enfant, pas de femme, et donc le malheureux maintenant est devenu un dragueur de 10 jours, ce qui pour lui est un temps extrêmement long, je ne trompe pas. Et il y a comme ça plein d'anecdotes, y compris des anecdotes sérieuses sur ses copains, sur les filles qui portent le voile, sur les copains qu'il avait vus manger du jambon en cachette et devenir maintenant des intégristes. Et il dit que tous ses copains ont basculé dans l'extrémisme. Mais c'est un livre, je trouve, très réussi. Claude. Alors, j'ai quand même été terriblement choquée par tout ce qui concerne les nanas. Comment tu rentres dans le détail avec je peux le citer puisque aussi bien tout a été repris dans ce truc un peu trash, tu sais, People, public cette semaine. Et je n'ose pas raconter même ce que tu dis. Uh-huh. Je peux le raconter? Ah bah oui, bien sûr. Alors, je peux le raconter. Il drague, c'est comme vous dites. Il lève Anna Korinkova, la jeune ravissante championne de tennis. Tenniswoman. Et il lui demande de coucher avec elle. Elle lui dit, je peux pas, j'ai mes règles. Il veut pas la croire, il la suit. Elle relève sa jupe ou je ne sais quoi, elle baisse sa culotte. Mais il savait pas que c'était Anna Kournikova à ce moment-là. Oh mon Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu racontes ça? Tu ne dois pas faire ça, c'est pas bien élevé. Tu couches avec toutes les femmes que tu veux. J'aurais mais tu dû ne relire pas. À ce moment-là. Oui, parce que quand même, il y a une sacoche. Il y a quand même une sacrée liste, hein. Il le dit. Moi, je veux pas balancer, mais vous allez avoir des procès. Donc, on fait la liste des procès. Un procès d'Alexandra Kazan, Aurore Auteuil, Romane Boringer, Laura Smet, Anna Kournikova. Voilà, toutes celles avec qui... Mais c'est pas tout, ça. Non. En plus, moi, je me dis, et votre femme dans tout ça, comment elle va réagir? Elle s'en fout, c'est marqué dans le livre. Bah, ah oui, elle s'en fout. Non, elle s'en fiche pas, mais bon, c'est bon. Enfin, je sais pas, j'ai besoin de ça pour vivre. Plus il se vante, comment il est ravi. Ouais. J'ai un beau petit palmarès. Moi, ça me fait passer pour le marquis de Sade, j'adore. Mais est-ce que t'as un bon coup, au moins? Vous avez dit dans une interview, la dernière fille avec qui j'ai couché, c'était tellement bien, elle a pleuré. Oh. Et vas-y que je me flatte. Crois ma vieille expérience. C'est sûrement un super coup. Ah bon, à quoi tu parce qu'il ça prend longtemps. Il est là. Moi, j'aurais peur que ça fonctionne pas, perso.
Bon, bah, comme ça, dans le tome 2, on pourra rajouter Claude Sarraute dans la liste. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. C'est amusant, Doc Gynéco, qu'on vous fasse le même coup qu'avec Gainsbourg. Moi, je ne crois pas un mot de ce que vous racontez sur les filles, par exemple. Pas un mot. Mais peu importe, c'est quelque chose qui va avec votre personnage, qui est sympathique, et il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Si on le prend au pied de la lettre, on vous trouve horrible, misogyne, limite macho et goujat. Mais en même temps, c'est bien pour le challenge. Pour pouvoir pécho d'autres meufs, elles vont dire c'est un véritable salaud. Ça va être très difficile. Ouais. Non, mais cela dit, comme vous dites un petit peu tout sur vos techniques de drague, moi, si j'étais tentée, éventuellement, je vous êtes tentée par Elsa Fayer. Il aime bien les petites blondes. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est une revanche. Oui, c'est exactement ça. Regarde Claude qui rêve d'un coup. Elle est là. Le fameux passage sur l'engagement politique contre le racisme, où là vous dites, on n'est pas dans une période d'engagement, je ne vais quand même pas aller manifester parce qu'ils ferment les squats des Renois, des Noirs, je ne veux pas ressembler à Bernard-Henri Lévy, je me sens plus proche de Mère Teresa, de l'abbé Pierre, de ceux qui aident. En tant que Noir, je ne me sens pas non plus de m'associer au combat de Dieudonné, de Stéphane Pocrin ou de Calixte Beyala. Pour moi, ce sont des rebelles sans cause, je l'affirme, ce sont des menteurs. Ça me fait marrer. Il est là, Pocra, là. Qu'est-ce que vous en pensez de quelqu'un comme Pocra? Il me plaît plus que Dieudonné. Ah. Même. Mais moins que... Mais s'il a été à cette manifestation... À ce moment-là, je sais pas, je le connais pas. Ah oui, parce que oui, c'est exactement ça. C'est énorme. Alors par exemple, Calixte Beyala, c'est une fille qui demande à ce que les Noirs jouent dans des films. Voilà. Mais nous, on s'en fout, on veut juste que les Noirs aient à manger. Et puis... C'est des trucs, c'est pas méchant, c'est pas pour... Mais c'est pas méchant, mais juste... C'est plein de bon sens en même temps. Non, mais tu peux pas... le problème, c'est que... ce qui me pose problème, c'est pas la fin de la phrase où je suis cité, c'est le début de la phrase. Sur la période n'est pas à l'engagement. Moi, discuter de moi, je m'en fous, mais oui, par contre... Oui, c'est exactement ça. Oui, mais moi, je crois pas à ça. On n'a pas la force pour se battre. Non, t'as pas envie. Et je pense que le problème, c'est qu'il faut effectivement que les gens s'engagent et que des gens comme toi, t'as le droit de pas t'engager. Ça me pose aucun problème. Mais quand même, t'as des gens qui regardent cette émission, t'as des gens qui t'aiment bien, qui t'admirent, et notamment parmi les plus jeunes. Uh-huh. Et je pense qu'on a autre chose à expliquer aux gamins, à nos gamins, que dans la vie, il faut accepter les choses et rien dire. Donc l'engagement, c'est ça. Après, que tu dises... Et on a des meilleurs... On a de Aimé Césaire, on a peut-être France Fanon, on va pas. Mais s'il te plaît, moi voilà, ma conscience politique, elle va pas naître avec. Avec Stéphane Pocrin. J'ai pas dit ça. Il m'a pas dit ça. Là aujourd'hui, elle peut. Ah. Moi, je préférerais qu'elle naisse avec toi, en tout cas. Il n'y a pas de problème aux gens de couleur ou bien s'ils sont français. À partir du moment où ils sont français, moi, je trouve que c'est un combat qui est pas régulier. Expliquez-vous. Je trouve pas juste de dire, de revendiquer une couleur ou peut-être une communauté. J'aime bien l'idée, moi, d'être avec vous tous. Je comprends pas. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on se bat pas au nom d'une couleur. Dans la vie, on se bat pour la justice. C'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais c'est pas complètement idiot ce qu'il dit. Moi, par exemple, je suis juif. Je suis absolument juif et fier de l'être quand on me le demande. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie forcément d'appartenir à la communauté juive ni à avoir des représentants juifs. Donc lui, il est noir, je suppose qu'il s'inscrit dans une histoire, il sait très bien ce que c'est que d'être noir, il n'a pas forcément envie d'être mobilisé comme noir à chaque occasion. Mais j'explique un peu, à mon avis, c'est même le sens du combat contre le racisme. Le combat contre le racisme, pour moi, ça veut dire qu'il ne faut pas réduire les gens à une couche superficielle de leur identité qui se trouve être leur épiderme. Et donc voilà, c'est atteindre enfin l'humanité et se débarrasser de la question de couleur. Mais ça passe par un combat de tous les jours radical. Et en plus, le pire, c'est qu'il le sait bien. Alors, est-ce qu'on peut dire, Gynéco, que vous êtes juif et que moi, je suis noir? Comme ça sera réglé, le problème. Non, on y croira pas. Non. Allez, deux albums pour le prix d'un. Doc Gynéco enregistre au quartier avec ses potes dans le 18e arrondissement. Un homme nature, on va dire l'album un peu plus grand public, le Doc Gynéco qu'on aime aussi quand même, avec des chansons qui rentrent bien dans la tête, qui sont amusantes, faut dire. Les aussi, textes quand même, sont super. Parce qu'il est drôle, Doc Gynéco, ça, il suffit de lire les réponses qu'il a faites à Jean-Éric Perrin et Gilles Verland qui ont retranscrit. Mais oui, continue ton combat, moi je veux pas déranger les combats, mais quand on me demande de m'y associer, après ça me fait peur, j'ai très peur. J'ai mis longtemps aussi avant
d'accepter d'aller dans, de chanter pour les associations caritatives et tout ça, je suis toujours méfiant. Là, il était donc revenu à la conversation précédente. Voici Jérôme Bonaldi. Ça, c'est pas une oreillette pour regarder le téléphone, c'est une oreillette pour s'éclairer. Dedans, il y a une petite lampe LED. Je suis là pour vous dire tout. Mais oui, ça éclaire. Mais ça éclaire quoi? Eh bien, t'es dans nuit, le noir. Si tu lis à côté de ta femme dans, ou ton mari. Voilà, c'est tout petit, c'est très léger, ça ne chauffe pas, ça dure une éternité. C'est très pratique, ça sous la main dans le coffre de la voiture. Si vous arrive quelque chose, vous n'êtes jamais, jamais de problème. Ça fonctionne comme une pile, ça. C'est une pile et c'est une LED. La LED, c'est une diode électroluminescente, c'est la nouvelle ampoule. C'est l'ampoule de l'avenir. Ça résiste à tout et ça dure 100 000 heures. Certaines même 400 000 heures. Ça, c'est quasiment éternel. Non, mais... Pour vous dire du bien de la LED... Cette taille-là, je suis d'accord, mais comme ça, c'est ridicule. Oui, là, oui. Franchement. Alors, attendez. Pour vous prouver que la LED, c'est l'avenir, voici une lampe de poche éternelle. Quasiment, quasiment éternelle. Regardez, d'abord, elle n'a pas de pile. Ça marche à l'huile de coude. D'accord? Ah non, 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 mais ça veut dire que, attends, il n'y a pas de pollution. Ah ouais. Simplement, ah oui. En pompant, en tournant comme ça pendant une minute, j'ai 3 heures de lumière. En tournant pendant 3 minutes, j'ai... Alors, le côté lampe de poche. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'elle marche tout le temps. En fait. Voilà. Attendez, c'est pas tout. Regardez, vous allez voir. Il y a une troisième position où il n'y a qu'une seule LED qui est allumée. Ça, je le mets contre le mur. Je la laisse allumer. Et elle marche pendant 2 mois. Vous vous rendez compte? C'est éternel, ce truc-là. Autre exemple. Vous avez un placard mal éclairé. Chaque fois, vous rêvez de mettre d'électricité. Ça coûte une fortune. Achetez-vous plutôt ceci. C'est en sorte. Ça sort au mi-mars. Petite pile à l'intérieur, là c'est vrai, petite LED, vous le collez parce que c'est un autocollant, à double face, vous appuyez dessus, ça s'allume, vous appuyez dessus, ça s'éteint. Comme les désodorisants d'armoire. Exactement. Vous vous en servez 5 minutes par jour, ça va vous durer 15 ans. C'est vachement bien la LED. Autre exemple. Mais on veut pas de LED, lui, il veut que des belles. Tiens, regardez, hey, celle-là. Alors ça, vous partez en camping, en randonnée, d'accord? Là aussi, pas de pile, je pompe, pouf, 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 d'accord? Ça fait lampe de poche. Ça a l'air moindre des choses. C'est pas tout, regardez, vous allez voir. Parce que c'est livré avec ceci, ça recharge mon téléphone. Tous les téléphones portables et mobiles, je le branche là-dessus. C'est livré avec toutes les prises possibles et imaginables, s'adaptant à toutes les marques, ça recharge mon téléphone. Loin de tout. À 1000 miles de tout lieu habité. Uniquement à la main, alors. Uniquement en tirant un peu. Recharger son téléphone à la main. Voilà. C'est un peu une régression, quand même, non? D'être obligé de mouliner comme ça. Non, mais c'est carrément idiot, parce que si t'es quelque part à milieu de toute mer, t'auras pas de réseau pour ton portable. Demandez à des gens qui étaient partis en montagne et qui ont fait la une de Paris Match, s'ils avaient eu ça. Autre exemple de la manie... Regardez comme c'est... Je voulais faire ça parce que c'est la première fois qu'on voit Doc Gynéco avec des ampoules dans les mains. Regardez, cette ampoule, c'est une vieille système baïonnette, d'accord? Hop, on se dit, tiens, bah ça c'est une ampoule à incandescence. Une ampoule de clown. Une ampoule, ouais, on s'en sert, vous savez, dans les fêtes foraines, enfin, on fait des lampions comme ouais, ça. Le problème, c'est que ça tombe souvent en panne, que ça coûte... Voilà, là, l'idée, elle est... Attendez, je vous la casse. Ah non, voilà non, le truc qu'il ne faut jamais faire avec une lampe ordinaire. C'est sauf dangereux. Qu'elle, elle n'est pas du tout ordinaire. Oh, vous avez vu? Regardez, c'est pas une ampoule à incandescence dedans, c'est des LED. Ça veut dire que le lampion que vous avez accroché là-haut, il va être pendant 100 000 heures quasiment éternellement. Vous n'aurez pas besoin de faire ce qu'on appelle du relamping. Le relamping, ça veut dire prendre une échelle, monter, changer l'ampoule parce qu'elle est bien naze. Pour les maris, un peu fainéants. C'est beau, hein? Et je vous présente la dernière, celle que les Chinois n'ont pas encore imitée, parce que tout ça, c'est en général, c'est chinois. Voici the most powerful lamp of the world. C'est, ah ouais, c'est G qui a inventé ça. La petite lampe qui est à l'intérieur, elle fait 1 watt. Alors ça, encore une fois, ça marche. Ah bah voilà, tiens, ça c'est pour ça, c'est d'une puissance dingue. C'est son truc. C'est d'une puissance dingue, ça veut dire que des petites ampoules comme ça, vous en mettez 3, ça correspond à une lampe de X 40 watts qu'on avait quand on était avec la lampe à incandescence. Je parle pas de consommation. C'est-à-dire que demain matin, l'éclairage de nos maisons, de nos appartements, de l'extérieur, sera sans doute avec des LED. Comment ça s'écrit LED? L-E-D. L-E-D. C'est l'acronyme d'un truc anglais qui veut dire Light Emissant Diode. Alors qui l'a inventé? Les Américains, C'est un peu comme, c'est un semi-conducteur, c'est une matière, un peu comme le transistor, c'est une sorte de transistor qui éclaire. C'est une matière, on lui fout du courant dedans et il y a des photons qui tombent dans des trous avec, et ça fait des photons. Ça veut dire qui sait pas, qui l'a inventé, parce que c'était ça votre question. Ça a été inventé par un Autrichien qui avait émigré aux États-Unis. Non mais on s'en fout. Pourquoi vous vous marrez, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
sérieuse. Qu'est-ce qui vous fait marrer là-dedans? Non, mais l'inventeur. Arrête de faire ça. De faire quoi? Ça. Vous êtes chatouilleux? Vous êtes chatouilleux? Non, non. Ah, je vois bien. Oh non, vous n'allez pas vous moquer de mon rire, parce que franchement, alors là, c'est le Roquefort qui dit au camembert qui pue, là. Et... Merci, Jérôme Bonaldi. Je reprends mes doutes d'ampoule. Restez encore un instant avec nous. Vous allez devoir bosser un tout petit peu pour aider mes camarades à jouer au qui a vu qui a vu quoi. Stevie a été rejoint en tête du classement par Jean-Luc Lemoine. Ils sont à égalité, mais Jean-Luc étant absent ce soir, Stevie peut repasser en tête. Bon, autrement, les affaires, c'est pas mal. Trois points, mais dans les profondeurs du classement, on retrouve Stéphane Pocrin, Claude Sarraute et Gérard Miller à égalité avec un point seulement. Isabelle Motreau est un peu au-dessus d'eux. Vous pouvez les aider, Doc Gynéco. Je vous propose, pour que l'invité puisse avoir le droit de répondre, de laisser 10 minutes d'avance sur chaque photo qu'on va proposer. Première photo. Je ne vous demande pas son nom, juste l'information à quoi est reliée, à laquelle est reliée cette photo. Je sais. Allez-y. C'est celui qui a écrit un livre sur Oprah Winfrey. Pas un livre, c'est Oprah Winfrey. C'est l'auteur du livre. Elle a accusé le plagiat. Attendez, pas tout le monde en même temps. Vous savez ou vous ne savez pas? Moi, je dis que Oprah Winfrey a invité ce type-là parce qu'il a raconté des saloperies dans un bouquin et elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Ça, faut bien connaître l'info. C'est un faussaire. Il a écrit un livre et il s'avère que tout ce qu'il dit dans ce livre, qui était une autobiographie, est complètement bidon. Voilà. Mais ce qui est peut-être important à dire, c'est qu'il a fait passer ça pour une autobiographie. Pour une autobiographie. Et ce n'est pas du tout une autobiographie, c'est de la fiction. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Ah non, parce que ce n'est pas le tout de... Oui. Photo suivante. Ah oui, alors... Qui illustre cette photo? C'est qui c'est va remplacer Lance Armstrong? C'est Christophe Moreau. Alors... c'est pas tout à fait ça. Il s'interroge. Effectivement, une des questions... C'est Ulrich. Le premier, c'est Ulrich. Ulrich. Ah, bonne question. C'est le début du Tour de France gay. Avec mais non, c'est Yann Ulrich. Alors, le cycliste, c'est Ulrich. Jusque-là, on est d'accord. Mais c'est pas ça qui illustre cette photo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une sélection, justement, pour savoir qui va gagner le Tour de France. Il y a plus de Français qui gagnent le Tour de France. On dévoile le tracé du Tour de France. Non plus. C'est pas le training? Non. Parce que c'est pas le tout de voir les photos, faut quand même savoir ce que ça veut dire. Eh ben ils font du vélo, on n'est pas cons. Non, mais ils font le tout. Et alors, ils en faisaient pas jusqu'alors, ça veut dire quoi? C'est la reprise de la saison. La reprise de la saison, un point d'Isabelle Motreau. C'est la reprise de la saison de cyclisme aujourd'hui. Là, peut-être qu'il peut trouver notre ami gynéco, alors on lui laisse 3 secondes d'avance. Attention, hein. Ah, je vois très mal. Ah, c'est le dernier film de Phoenix, peut-être? Non. C'est qui? C'est Decaune M? Il y a Mathieu Chédid, effectivement. C'est pas Decaune à côté de lui, non? Bon. Est-ce qu'il s'agit de Thomas Dutronc? C'est Rachid Taha, je peux vous dire. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un film? Est-ce qu'il s'agit d'un film? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un bœuf? D'un concert. Alors oui, c'est un bœuf qu'ils ont fait, oui, c'est effectivement. C'est un concert? Rachid Taha, Mathieu Chédid, mais où et quand, à quelle occasion? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les 250. Mozart. Fin des soldes. Gérard, je vois bien Mathieu Chédid et Rachid Taha aller faire un concert à la fin des soldes. Oui, absolument. C'est possible. Ah ouais, vraiment. C'est pour rameuter les jeunes étudiants pour manifester. Pas du tout. C'est la fin des règles d'Anna Kournikova. Non. À la fin, Stevie, peut-être vous y étiez d'ailleurs. Un défilé. À la fin d'un défilé de mode. Bravo, Stevie Boulet. Alors là, attention, puisque vous êtes un spécialiste des femmes et des conquêtes féminines, certainement vous allez savoir qui est sur cette photo suivante. Ah bah oui. Alors, vas-y. Oui, oui, laissez-le. Je ne vous demande pas son nom, hein. Non. Bah non, parce que d'ailleurs, on sait. Tu sais vachement pas. Non, mais son nom c'est pas au Japon, c'est bien entendu que c'est au Japon. Pas du tout. Non. Non. Ah bah, non. C'est une Anglaise d'origine zambienne. Zambienne, voilà. Et pas du tout japonaise. C'est Miss Monde. Non. C'est, on cherche qui elle est à côté. Elle est d'origine zambienne et sa famille, c'est des Zambiens, on cherche qui l'accompagne, là. C'est la femme du... Écoutez, tout le monde la reconnaît, c'est la femme du président de la Zambie. Non. Mais non. Non. Voilà une photo que, normalement, Isabelle Motreau devrait connaître. C'est une actrice. Une actrice, oui. Elle a remporté un prix. Non.
Elle a remporté quelque chose. Elle est dans un film. Elle est dans un film, oui. Ah bah déjà, ça avance. Quel film? Un film qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir. Qui n'est même pas encore tourné. Même pas tourné, c'est le prochain James Bond, c'est la James Bond Girl. Excellente réponse de Gérard Miller. Comme ça. C'est vrai que je ne m'intéresse pas assez aux James Bond Girls, c'est vrai. Doc Gynéco, deux albums, il chante avec ses copains dans son quartier, dans le 18e, et Un homme nature, des chansons plus grand public, on va dire. Quant au livre, ça s'appelle Un homme nature, comme l'album, et c'est aux éditions du Rocher. Merci Doc Gynéco, à demain. Merci.